Les échanges entre une délégation de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud et le parti Russie unie du président Vladimir Poutine à Moscou devaient s'achever dimanche. Les discussions portaient sur un réajustement de l'ordre mondial afin d'inverser les conséquences du néocolonialisme et du monde unipolaire qui prévalait auparavant, a indiqué samedi le Congrès national africain. Cette rencontre intervient quelques mois avant le sommet des BRICS prévu en Afrique du Sud en août. Alors que la participation de la Russie après le mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine pour crime de guerre par la Cour pénale internationale nourrit des polémiques. Depuis, les dirigeants de l'ANC se sont retrouvés au cœur de tensions diplomatiques et politiques. Rappelant que les liens entre Pretoria et Moscou remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin avait apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime blanc raciste.